Bonjour, mes chers Bonjour, mes chers élèves. Vous êtes bienvenus sur votre chaîne G-Communic TV. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble une activité vraiment très intéressante pour vous. C'est grammaire avec ses activités. Alors, prenez, s'il vous plaît, votre livre préféré, L'arbre en mots, pour CE1, deuxième année primaire. C'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Méthode de français. Grammaire. Alors aujourd'hui, on va discuter sur les accords dans le groupe nominal. Les accords dans le groupe nominal. Le genre. Ça veut dire masculin et féminin. J'observe et je découvre. Je relève les adjectifs dans les groupes nominaux d'abord. Alors voici le premier tableau. Il y a le masculin et le féminin. Et deuxième tableau ici. Allons-y. On va lire. Un espace protégé. Une région protégée. Un bois profond. Une forêt profonde, un petit chemin, une petite route. Et tableau numéro 2, le masculin, un site naturel, une vallée naturelle. Un arbre majestueux, une plante majestueuse, un endroit superbe. Une vue superbe. Alors, normalement, que remarques-tu entre l'adjectif et le nom auquel il se rapporte? Que remarques-tu? Est-ce qu'il y a un changement? Oui. Et lequel? Un espace protégé, une région protégée, oui. Un bois profond, une forêt profonde avec E, oui. Un petit chemin, une petite route. Voilà. La protégée, profonde et petite, ce sont des adjectifs au féminin. D'accord. Et protégée, et profond et petit, ce sont des adjectifs au masculin. Oui, tout à fait. Alors, naturel, comment, regardons comment s'écrit naturel au masculin. Naturel, naturel, avec deux L. Majestueux, majestueuse. Regardons la différence entre les deux. Majestueux, majestueuse. Superbe, superbe. Alors, il y a un changement. D'accord? Au niveau de l'adjectif qualificatif, c'est ça. Alors, l'adjectif qualificatif ici au féminin change par rapport au masculin. Dans le tableau numéro 1, quelle lettre a été ajoutée à la fin de l'adjectif dans la colonne féminine? Protégé avec E, profond avec E, petit avec E. Alors, protégée, profonde, petite. Dans le tableau numéro 2, quelle différence remarques-tu entre l'adjectif au masculin et celui au féminin? Alors, naturel, naturel. Alors, les deux L. Majestueux, majestueuse. Superbe, superbe. Un site naturel, une vallée naturelle, avec deux L. Un arbre majestueux, une plante majestueuse. Un endroit superbe, une vue superbe. Alors, dans le tableau numéro 2, quelle différence remarques-tu entre l'adjectif au masculin et celui au féminin? L'adjectif au masculin change tout à fait. Regardons. On ajoute ici deux L. On ajoute ici euse. Hein? Ici, elle reste telle qu'elle est. Superbe, superbe. Pourquoi? Parce qu'il y a e au masculin. Au féminin, on ne change pas. Alors, trouve à quel nom se rapporte chaque adjectif. Alors, pas de soucis. Alors, pour protéger, il y a un espace. Alors, le nom, c'est espace. Un espace. Pour profond, c'est un bois. Pour petit, c'est un chemin. C'est ça le nom. Et une région, c'est le nom. Protéger, c'est l'adjectif. Une forêt, c'est le nom. Profonde, c'est l'adjectif. Une route, c'est le nom. Et petite, c'est l'adjectif. Regardons ici la différence. J'agrandis peu. Regarde. Regarde la différence. Hein, tu vois?
Et eux, ils sont protégés et protégés. Hein? Tu vois la différence? Hein? Hein, vous avez compris maintenant? Hein? Voilà. Regarde comment c'est écrit naturel. Et regarde comment c'est écrit naturel. Hein? Tu vois la différence? Voilà, majestueux, majestueuse, super, super. Ah, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il y a E en masculin. Il n'y a pas de changement au féminin. Voilà. Rétrécis un peu. Voilà. Maintenant, des entraînements. J'agrandis un peu. À chaque activité, j'agrandis un peu. Voilà. Je m'entraîne. Je reproduis le tableau et je complète avec le féminin des adjectifs proposés. Ah, dernier, bas, calme, épineux, ancien, bon, immense, juste, juteux, léger, dangereux, magnifique, innové. Alors, regardez s'il vous plaît ici. Je vais vous montrer les réponses. Alors, au féminin, l'adjectif qualificatif se termine par euse. Par euse, comme l'exemple de épineux. Tu vois? Épineux. Épineux. Épineuse. Hein? Il y a d'autres. Juteux. Juteuse. Dangereux. Dangereuse. Ça veut dire qu'il y a trois adjectifs. Normalement, au féminin, se termine par euse. Épineux, épineuse. Épineux, épineuse. Juteux, juteuse. Dangereux, dangereuse. Alors, qui se termine par R. R. Dernier, dernier R. Léger, légère. Une comment c'est deux. Je vois une comment c'est deux. Alors, dernier, dernière. Léger, légère. Okay, parce que c'est terminé par ER à la fin. Tu vois. Double la consonne finale. Double la consonne. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Par exemple, nouvelle. Tu vois, nouvelle. Comme l'exemple de naturel. J'ai déjà vu cet exemple. Un site naturel, une vallée naturelle, en double consonne. Alors, double la consonne finale, en double la consonne. Alors, nouvelle, nouvelle, ancien, ancienne, bas, basse. Alors, commençons par ça. Bas, basse, avec deux S. Ancien, ancienne, avec deux N. Bon, bonne, avec deux N. Léger, non. Nouvelle, nouvelle, avec deux L. Alors, nouvelle avec deux L, E. Bonne avec deux L, E. Basse avec deux S, E. Et ancienne avec deux L. Et bonne aussi. Basse, deux S, E. Ancienne, deux L, E. Bonne, deux L, E. Nouvelle, deux L. C'est double la consonne finale. Il y a des adjectifs qui ne changent pas. Par exemple, calme, parce qu'il y a E au masculin. Calme, immense, magnifique. Alors, calme, immense et magnifique, hein, ces adjectifs. Ils ne changent pas. L'adjectif qualifié ne change pas. Pourquoi? Parce que si au masculin, on termine par E. Normalement, calme, immense, magnifique. Alors, je répète encore fois parce que je vois que c'est un cours vraiment très intéressant. C'est pas uniquement pour ça, hein, pour les autres classes aussi. Pour toutes les classes. Dernier, dernière. Alors, on doit maîtriser. Bas, basse. Double la consonne finale ici. Calme, ne change pas. Calme, reste toujours calme, soit au masculin, soit au féminin. Pas de soucis. Épineux, épineuse. Ancien, ancienne. En double consonne. Bonne, bonne. En double consonne. La consonne, en double la consonne. Immense, immense. Change pas.
Juteuse, léger, légère, dangereux, dangereuse, magnifique, dangereuse, pas. Level, on double la consonne finale. Alors oui, on passe à autre chose, la deuxième activité. Comment s'il vous plaît ici, mes chers élèves, c'est un peu gros, hein. Alors choisis l'adjectif qui convient pour compléter le groupe nominal. Alors, on va choisir entre ces deux. Un grand, grande sapin. Un gros, grosse cactus. Cactus. Une figue, mûre, mûre. Un palmier, nan, nen. Nan, c'est le contraire de géant. Et ça veut dire très grand. C'est le contraire de très grand. Nan, ça veut dire trop petit. Une orange, sucrée, sucrée. Un chêne, vert, verte. Une fleur parfumée, parfumée, une date délicieuse, délicieuse. Qu'est-ce que je dois faire? Je choisis l'adjectif qui convient pour compléter le groupe nominal. Alors, je choisis entre les deux. Alors, je vois ici le masculin, un sapin grand, un grand sapin, oui. Un cactus, c'est la même chose, un gros cactus. C'est pas un gros cactus, non, un gros cactus. Une figue mûre avec E. Un palmier nain, une orange sucrée avec eux, un chêne vert, une fleur parfumée avec eux à la fin, une date délicieuse, délicieuse, avec euse, délicieuse. Un grand, grande sapin, on dit un grand sapin. Un gros, grosse cactus, on dit un gros cactus. Une figue mûre, mûre, on dit une figue mûre avec E. Un palmier nain, nain, on dit un palmier nain. Une orange sucrée, sucrée, on dit une orange sucrée avec E. Un chêne vert, vert, on dit un chêne vert avec T. Une fleur parfumée avec E. Choisis parfumée. Une date délicieuse. Alors, un grand sapin, un gros cactus, une figue mûre avec un palmier nain, une orange sucrée, un chêne vert, une fleur parfumée, une date délicieuse. Alors, on passe à autre chose, mes chers élèves, toujours avec vous, toujours avec l'adjectif. C'est vraiment très, très, très important cette. Et aussi amis. Choisis un mot dans chaque colonne. Et ces trois colonnes. Choisis un mot dans chaque colonne et crée les groupes nominaux. Choisis un mot dans chaque colonne et crée le groupe nominal. Alors ici, dans la première colonne, ce sont des déterminants. On appelle ça les déterminants. Le, l'apostrophe, ce, la, cette, ce sont des déterminants. Olive, arbre, lavande, etc. Ce sont des noms. Et mort, savoureux, hors de l'onde et noir, ce sont des adjectifs. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On cherche. Choisis un mot dans chaque colonne et crée les groupes. Alors, mort. Savoureux. On dit l'arbre mort. Ah, l'arbre mort. Il y a des arbres qui sont morts, oui. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on dit? Cette olive. Lavande. Cette olive noire. J'aime les olives noires. J'aime les olives vertes et noires. Cette olive noire. La lavande or odorante. La lavande odorante. Plein d'odeur, oui, agréable. La lavande odorante. Voilà. L'arbre mort. L'arbre mort. La lavande odorante.
cet arbre, pardon, cette, ce citron savoureux. Alors, l'arbre mort, ce citron savoureux, la lavande odorante, et cette olive noire. Oh, c'est dommage, c'est la dernière activité pour aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Pas de souci, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer les activités. Alors, remplace le nom par celui proposé, n'oublie pas l'accord de l'adjectif. On dit un bois obscur, une forêt obscure. Un bois obscur, une forêt obscure. Un parc ombragé. On dit vallée, voilà, on dit une vallée ombragée. Avec à la fin. Un jardin accueillant, on dit une prairie accueillante avec à la fin. Un droit poulié, on dit une ville pouliée. C'est dommage. Un droit poulié, une ville pouliée avec à la fin. Alors, une forêt obscure avec eux, une vallée ombragée avec eux, une prairie accueillante avec eux, une ville pouliée avec eux à la fin. Alors c'est fini, c'est dommage. C'est fini pour la séance d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas que je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer les activités de l'adjectif qualificatif et l'accord, surtout. L'accord. Voilà, les accords dans le groupe nominal. Parce que cette leçon, lorsqu'on parle du genre, cette leçon, c'est un peu difficile pour les autres classes. Alors je partage cette vidéo pour les autres classes aussi. Alors, j'espère que les autres élèves aussi s'intéressent comme vous, mes chers élèves de CE1. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.